Que la paix et la grâce de Dieu vous soient multipliées. Et c'est toujours un plaisir et en même temps un privilège et pour moi présenter rubrique hebdomadaire ça qui a privé à peu près sous 26 séances. Donc nous arrivés sous 21e séance et séance numéro 21 et sous évangélisation, sous séance que nous gagnons, sous évangélisation qui c'est la grande commission et que Jésus confiait nous, la grande mission que Jésus confiait nous pour nous aller, bah, bonne nouvelle là, simaé, bonne nouvelle là. Et c'est ça Jésus mandait nous. Et le nous fin connaît Jésus, nous fin connaît doctrine Christ là, nous rentrer en dedans. Et doctrine de Jésus-Christ, et faut que nous allons bailler l'autre. Nous pas être égoïstes, faut nous fin prendre et puis pour nous pas bailler. Donc, moi te promets nous pour nous faire les 5 dernières séances qui étaient sous le Saint-Esprit. Donc, nous avons parlé sous le Saint-Esprit, autour du Saint-Esprit, dans la vie des croyants, le Saint-Esprit au niveau des églises locales et le Saint-Esprit qui aidait nous faire l'évangile là. Donc, tout ça. Et important sans le Saint-Esprit gagné. Donc, c'est pneumatologie. Pneumatologie qui c'est la doctrine du Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit, et si souvent, on gagne une idée vague sous lui et sous action. Donc, le Saint-Esprit, souvent, nous avons méconnaissance de lui-même. Donc, et après, mon ami dans l'église locale là, les con gagnés ont un tremblement, ils ont la tremblade, les souquets collent tout partout. Donc, les dieux les gagnent le Saint-Esprit. Donc, mon a tremblé, mon a fait un pile démonstration, et puis mon a dit, ah, un tel gagne le Saint-Esprit. Donc, pourquoi mon pas jamais manier la Bible et li pas jamais apprendre rien concernant le Saint-Esprit. Mais pourquoi l'irriter, li garder ou li dit li créer propre parole li et qui ses propres paroles parlent selon humeur li, selon moun qui devant l'an, li dit ou et je connais ça m'a dit très bien parce que m'a évolué dans milieu là et donc les gado les dou le Saint-Esprit dit me dire et parfois il doit un compte à avoir et il pas report qui moyen pour le passer donc nous quand on prend le Saint-Esprit pour nous dénigrer l'autre monde comme yon, et nous utiliser le Saint-Esprit mais c'est malheureux oui ça m'a dit mais nous fait ça parce que nous gagnons méconnaissance du Saint-Esprit, et puis au moment où le Saint-Esprit dit, la caille ou pas propre. Le Saint-Esprit dit, petit ou dans des ordres. Le Saint-Esprit dit, parfois les gens ont juste besoin, eh bien, faire un avilissement. Donc c'est grave. Donc c'est parti des ordres qui a passé au niveau de l'église locale yo, à cause de yon méconnaissance. Et du Saint-Esprit. Donc, c'est toujours malheur, le Saint-Esprit, ouais, et pour mon saïo. Donc, et l'on pas soumettre avec des autres saïo. L'on pas soumettre ou même à ignorance saïo. Yo juste d'où ou même ou pas gen option parce qu'on pas marcher dans la logique et que yo gagne la logique des autres là. Et donc, on a d'où option pas gagne. Et gardez non ou même un nouveau adhérent à doctrine Christ là pas quitter au traîneur dans ignorance ça pas quitter au traîneur dans ignorance ça donc la doctrine du Saint-Esprit donc c'est un ont étudié le Saint-Esprit dans pneumatologie. Le Saint-Esprit gagne même puissance qui n'a papa avec petite là.
li égal à papa, li égal à petite là. Nous pas qu'à réduire le Saint-Esprit à une simple force. Non. Comme Jean avait fait nous croire des fois que le Saint-Esprit c'est une force, le Saint-Esprit c'est une force active, le Saint-Esprit c'est une force agissante. Non, on ne peut pas réduire le Saint-Esprit à une force. Nous parlons que le Saint-Esprit est présent lors de la création. Dans le processus création, hein, le Saint-Esprit est présent bon côté papa et petite là. Il était joué un rôle subtil. Il était dans les coulisses, mais il était présent bel et bien dans l'histoire de la création du monde. En nous lisant ensemble avec moi dans Genèse chapitre 1, le verset 2, pour nous voir que l'histoire de la création, papa, petite là, l'esprit était là. En nous lisant dans Genèse, je voulais pour nous ouvrir les oreilles, nous bien grands. Et intelligence que le Saint-Esprit seul bail pour nous capables de gagner une meilleure compréhension de divinité du Saint-Esprit et une pleine compréhension du Saint-Esprit. Et là, nous comprenons le Saint-Esprit, nous pas prendre pour nous faire des ordres avec lui. En nous lisant dans Genèse, chapitre 1, le verset 2, pour nous représenter le Saint-Esprit dans la création. Genèse chapitre 1 verset 2 dit, la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Attendez bien, oui. Le Saint-Esprit se mouvait. Donc, il était présent dans la création monde-là. Le Saint-Esprit était présent tout dans l'Ancien Testament. Il était présent pour un travail spécial, un travail précis. Il était présent dans la vie prophète pour un travail spécial. Il était présent tout dans la vie des hommes dans l'Ancien Testament. Pour être capable de faire service, bon Dieu. Mais leur désobéi, l'équité. Le David te péché, eh bien, et nous, ouais, que l'été mandé. Pour que l'esprit a pas quitté. Ça montre que l'esprit a été présent dans la vie et bien des groupes de personnes bien déterminées, puis un travail bien déterminé dans l'ancienne alliance. On nous lit avec moi dans Psaume 51, le verset 13, pour nous voir qui ça David dit. Psaume 51, le verset 13. Pour nous voir qui ça David dit. Ne me rejette pas loin de ta face et ne m'ôte pas ton Esprit Saint. Là, il était péché. Il était dans la désobéissance. Et le péché ou la désobéissance, le Saint-Esprit n'a pas de place li encore. Ne me rejette pas loin de ta face et ne m'ôte pas, ou du moins ne m'enlève pas ton Esprit Saint. Psaume 51, le verset 13. Donc, étude à connaissance sous cet esprit est très important. Une compréhension sous cet esprit est très important parce que le Saint-Esprit transforme des vies. Dans l'ancienne alliance là, le Saint-Esprit pas traité. Mais dans la nouvelle alliance là, le Saint-Esprit demeure. Il demeure dans la vie croyant. Le Saint-Esprit demeure dans la vie du croyant.
le Saint-Esprit demeurer dans l'église là. An nou li avèk mwen nan Jean 14, le verset 16 pou nou wè. Ouvri Bib nou, ansanm avèk mwen, nan Jean chapitre 14, le verset 16. Pou nou wè ke le Saint-Esprit demeure nan vi kwayan, el demeure nan l'Eglise la. Et moi, sa se Jésus kap pale, je priere le Père, et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Le Saint-Esprit vit en nous éternellement. La demeurer, ma prier papa pour voyer un consolateur pour nous et consolateur ça demeurer éternellement avec nous. Mwen ta ramen nou byen konprann seyans sa ki baze sou le Saint-Esprit. Pi gwo travay le Saint-Esprit, se montre nou Jezu. Pi gwo travay le Saint-Esprit, se glorifye Jezu. Mwen sonje nan yon seyans pase, nan deux seyans pase, mwen te di nou ke le Saint-Esprit brake projekteur a sou Jésus. Li pa brake l sou li non? Le Saint-Esprit en coulis, mais le Saint-Esprit prend projekteur a li brake l sou Jésus pou li montre nou Jésus. Li di nou men œuvre Jésus, men travail Jésus, men ki moun niye. Ça c'est travail le Saint-Esprit fait. Li montre nou Jésus. Li pa montre tèt li non? Li montre Jésus. C'est un gros travail, oui. Li montre Jésus. Et Jésus pas capable faire tout travail ça yo sans présence Saint-Esprit. Depuis ce côté non Jésus cité, le Saint-Esprit présent. Le Saint-Esprit là, parce que c'est lui qui a montré nous toute action, toute activité, tout travail que Jésus fait. Et lui-même qui a montré l'église locale, yo, Jésus. Et c'est lui-même qui, dans la vie, nous, qui a montré nous les œuvres de Jésus. C'est le Saint-Esprit qui te ouen Jésus pour mission. Li. C'est le Saint-Esprit qui mettait onction sous Jésus pour Jésus capable de déraper mission sous terre. On nous lit avec moi dans Luc 3, verset 21 avec 22. 22 pour nous voir qui ça texte a dit. Au sujet de mission Jésus qui pral déraper. Qui ça texte l'a dit? Luc 3, verset 21 à 22. Tout le peuple se faisant baptiser, Jésus fut aussi baptisé et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle comme une colombe. Et une voix fit entendre du ciel ses paroles. Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Voilà. Papa qualifié petite là pour une mission spéciale. Le Saint-Esprit mettait Saul sous lui. Et mission Jésus pas possible si papa avec le Saint-Esprit pas qualifié mettait onction sous lui. Cela veut dire toute mission pour aller faire dans l'église de Jésus-Christ ou doit joindre qualification et onction du Saint-Esprit. Période n'a vive là, c'est période du Saint-Esprit que lié à l'intérieur de nos églises et à l'intérieur de notre vie. Donc le Saint-Esprit descend et le Saint-Esprit
qualifié Jésus. Yo encadré Jésus. Amen, amen, amen. Pour le capable travail. Et c'est le Saint-Esprit ça que le li pral rejoindre papa, li quitter pour nous comme un consolateur. Nous devons comme ça. Et là, le travail du Saint-Esprit est puissant à l'intérieur de l'Église. Ou même qui pral évangéliser, si le Saint-Esprit pas avec ou pour travailler ça, ou mettre chita. C'est showbiz ou pral faire, c'est démonstration ou pral faire, et tout ça pral di yo ou pas de qualité pour di yo, parce que travail évangélisation, c'est travail du Saint-Esprit. Pas de mission sans le Saint-Esprit. Pas de fonction sacerdotale sans le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui qualifie. C'est le Saint-Esprit qui permet l'évangile à propager. Sinon, on a détruit l'église de Jésus-Christ déjà. Si le Saint-Esprit n'est pas présent dans l'église, dans la vie des croyants, on a détruit l'église déjà. Toute mission de l'église là, ici-bas, c'est impossible sans le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, l'église locale, yo, t'ap semblé à une boutique. Sans le Saint-Esprit, l'église locale, yo, t'ap semblé à un supermarché. Donc, moi, je voulais nous comprendre très bien l'importance de cet esprit. Pour ne pas prendre le Saint-Esprit pour nous faire des ordres avec lui, comme si le Saint-Esprit c'est tremblement, c'est la tremblade, qu'on a tremblé, et puis dans l'église locale là, sous pas trembler, même j'ai mon nom, les cataloguer, les taxer dans l'autre, mon nous sans onction. Non, c'est pas ça que le Saint-Esprit a. Le Saint-Esprit a puissance pour travailler la fête. Le Saint-Esprit braque projecteur sous Jésus. Les doumer Jésus, adorer Jésus, remer Jésus, les glorifier Jésus, les glorifier activité Jésus. Oh, c'est ça le Saint-Esprit fait en dedans. L'église là, l'on pas de compréhension et nous pour nous ouais pendant quatre dernières séances qui étaient pour nous ouais que pour meilleure compréhension de la parole, c'est le Saint-Esprit. Tout ça qu'a fait dans l'église là, ici-bas, tout ça qu'a fait à l'intérieur de nous-mêmes, le Saint-Esprit doit être là. Donc, semaine prochaine, dans la 22e séance, on va poursuivre avec le Saint-Esprit pour nous avoir une compréhension complète du Saint-Esprit. Pour nous comprendre le Saint-Esprit, nous poursuivons avec séance. Pour nous, le Saint-Esprit, pas ça à nous penser. Que le Saint-Esprit mette saule sous nous pour nous qualifier pour service bon Dieu. Le Saint-Esprit vit en nous. Dans le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, il était paraître pour son travail spécial. Mais dans le Nouveau Testament, il demeure. Il demeure, il vit en nous, il prend possession en nous. Le terrain est conquis par le Saint-Esprit. Donc, nous souhaitons que nous te comprenions. Et le Saint-Esprit. Et me souhaiter que semaine prochaine, on a poursuivre, on a continuer, le Saint-Esprit a continué, ouvrez-yeux, non, pour nous comprendre la Bible, pour nous comprendre l'évangile de Jésus-Christ, parce que c'est le Saint-Esprit qui montre nous Jésus. Nous ne sommes pas capables de comprendre Jésus sans le Saint-Esprit.
Donc, je souhaite nous passer une bonne semaine, une agréable semaine. Et à la semaine prochaine. Soyez richement bénis. Amen.